We caught up in the meantime with Mining Minister for the Republic of Congo, Pierre Oba, at the mining indaba in Cape Town for a look at that country's mining growth story. Let's take a look. We have to acknowledge that indaba is getting actually very busy year after year, and very it's become a tool, an important tool for all the mining industry. And this actually combine or bring everybody, the mining industry, the investors, and all the subsidiaries in the mining industry, which is an important thing for our country as well. Donc nous sommes chaque fois très heureux de nous retrouver ici, d'abord dans cette magnifique ville de Cape Town, mais surtout à cause des échanges que nous avons toujours eu avec le monde divers. Et ça nous donne toujours l'occasion de promouvoir le secteur minier chez nous, de notre pays, et de mettre à travers notre stand, le stand du Congo, est à la disposition du public et de tous ceux qui sont intéressés par le développement minier en Afrique et au Congo, toutes les potentialités dont nous disposons dans notre sous-sol. So we always happy to actually be here in Indaba because it gives us an opportunity to expose all the asset or the opportunity Congo can offer in the mining industry, and actually invite people to the Congo booth to come and see exactly what is being done and what can be done. Okay. So let's talk about what exactly it is that is there in the Congo. What kind of investment opportunities are there within the mining sector, the ones that are coming up in 2013 and beyond? Le Congo, en ce moment dans le secteur minier, offre toutes les potentialités que l'on peut trouver ailleurs. Nous allons des minéraux lourds jusqu'aux pierres précieuses. Et donc, en ce moment, d'ailleurs, l'activité qui se développe chaque jour est très importante parce qu'il y a des opérateurs australiens, sud-africains, à l'instar de Exxaro, qui est une société sud-africaine. Il y a Sundance, il y a Équatorial, il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'opérateurs dans le secteur minier qui opèrent chez nous. Mais en tout cas, le sous-sol congolais regorge de potentialités qui peuvent permettre au Congo de jouer le rôle qui lui revient dans le monde minier. Et donc nous offrons, en plus de la stabilité, en plus de climat des affaires et de la souplesse et de l'attractivité de nos textes fondamentaux, le code des investissements, le code minier, nous offrons donc à tout le monde, au monde entier, aux opérateurs économiques, aux opérateurs miniers, des potentialités énormes et toutes les dispositions administratives et de stabilité propices à l'exercice d'une bonne activité qui garantit la sécurité des investissements, la sécurité des personnes qui opèrent sur l'étendue du territoire. Donc nous offrons les possibilités les plus diverses et les plus sûres, les garanties qui peuvent nous permettre de coopérer, de collaborer avec qui le désire avec nous. Short, I will try to be very short, is that Congo actually offer different opportunities in mine, be in different mine like iron ore or gold or whatever. We offer everything, and at the moment we have different big companies as Exxaro, is a South African company who already operate in Congo. You got big company like Sandaz, Equatorial, and who they come over there because Congo offer a very good mining code, investment code, which attract a lot of investors. And Congo, as you know, has been a very safe business environment for a while. And although we know what the past actually been, but it's been a very stable place for the investment to come and invest in Congo. So anything, any commodity, any area, Congo will be happy to actually host and attract more business.